Bonjour et bienvenue, je suis l'Ancien01 et aujourd'hui nous allons faire un autre épisode de Elite Dangerous. Alors, aujourd'hui nous allons faire, comme d'hab, des missions de commerce, transfert des données, récupérer aussi des marchands, des transmissions, enfin voilà, un peu de tout quoi. Donc nous allons faire ça tranquillement, je sais pas combien d'épisodes à faire, je sais pas du tout... Comment on va faire ça, mais bon, on va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Du coup, je vais chercher un truc. C'est pas ça que je cherche, c'est un truc. Ah oui. Faire le planning. Alors, on est où? Ok, alors on a quoi là? Bon, c'est pas très loin. On a beaucoup de livraisons ici à faire. On va aller au plus loin, parce que c'est où j'ai le plus de choses normalement à faire. Donc on va aller là. C'est parti. En 4 sauts, c'est très bien. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui suivent Pokémon 3D, il faut que je farme de mon côté aussi pour un Octali du coup, donc voilà. Donc la vidéo elle aura du retard parce que bah, il faut avoir 3000 points. Donc du coup je vais faire cette vidéo qui sont prévues hein. Parce que bah, j'en fais 2 ou 3, même 4 de temps en temps pour le week-end, donc voilà. Je fais au moment où j'ai du temps. Donc là pour le moment ça va, je peux le faire. Donc il y a un décalage de 2 heures dans le jeu. Hein. Il n'est pas 13 heures, il est 15 heures. Il y a un décalage de 2 heures. Donc en fait, à savoir que Elite Dangerous n'a aucun serveur européen, on n'a que les serveurs US. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui râlent. Au sujet des quêtes de mission, c'est vrai qu'elles sont longues à charger, longues à donner, longues à récupérer les missions, longues à charger le tableau d'affiche. Ah, c'est long tout ça. Et la prochaine mise à jour qu'on va avoir là, 2.2 là, où on va avoir carrément beaucoup de choses qui va changer dans le jeu. Bah malheureusement les temps de charge seront toujours aussi longs. Vu que pour moi Frontier n'a aucune. Enfin, dans l'actualité, ils ont aucun serveur prévu pour l'Europe, donc ce qui est dommage. Donc on est logé aux États-Unis. Malheureusement, il y a le ping d'envoi au serveur et réception du serveur pour les envois de missions qui sont longs. Voilà, c'est un peu embêtant. Mais bon, si on passe outre ça, le jeu est juste excellent. Quoi. Juste excellent. On a un truc à la moto à déposer normalement. Alors, on a un truc à déposer à la moto, en effet. Alors c'est quoi? La moto, on a quoi la moto? La moto en effet. Ça c'est quoi là? Est-ce qu'il y a un truc là? Non. Il faut la moto, ok. Ok. Ok, après c'est Vixie après. Ok, donc du coup la moto c'est... Ah bon, on va y aller. C'est dans le passage. On va y aller. Donc d'abord je vais faire toutes les missions avant de faire celle-ci de mission. Voilà. Parce que ça arrive qu'il y a des... dans ces genres de missions qu'il y a des embuscades en fait. Au lieu de tout perdre bêtement si je me fais détruire.
On va d'abord vider tout ce qu'on a à vider. Et après on finit la quête. Bon, la dernière fois j'ai pu survivre à une flopée de Sidewinder, mais c'était chaud quoi. Heureusement qu'il y avait après les vaisseaux de la Fédération et ceux qui contrôlent le secteur qui sont arrivés quoi, pour me donner main forte. Sinon, je serais passé poussière d'atomes. Donc voilà, c'est pas un vaisseau de guerre que j'ai, hein. C'est toujours mon pauvre Adder là. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un vaisseau bien plus résistant que ça. J'ai vu les vaisseaux, c'est extrêmement cher. Donc, pour moi, même avec 10 millions, on n'a pas assez pour faire quoi que ce soit. Donc voilà, surtout si je veux avoir de la soute aussi. Faire mes missions de commerce tout simplement, vu que c'est la branche que j'ai choisi, hein, le commerce dans ce jeu, du coup voilà. Incoming mission critical message. 2 minutes pour atterrir. Ouais. Possible, enfin. Docking request granted. D'ailleurs, pour ceux qui font les missions communautaires, j'ai une mission communautaire en joue là. Là, par contre, par rapport à la dernière fois, si vous regardez la vidéo ce week-end quand elle sera publiée, je vous conseille de vous inscrire si vous voulez vous inscrire. La mission, c'est celle-ci. Voilà. Là, vous pouvez voir que je suis. Voilà, je peux gagner 1 728. Voilà. Même plus après si je donne beaucoup plus de ressources. Du coup je vais continuer un peu de mon côté aussi, hein. On va pas tarder à passer level 6, donc ce qui va augmenter grandement l'argent. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, bah allez-y, hein. Il y a une semaine pour le faire, allez-y, hein. Franchement les missions communautaires elles sont vraiment très utiles pour gagner pas mal d'argent, quoi. Donc je vous conseille d'y aller. Je vais vous donner l'emplacement de l'endroit, ne vous inquiétez pas. Juste déposer ça. Voilà. On n'a pas gagné grand chose, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Boîte noire. Pour une raffinerie. Ouais, voilà. J'ai pas assez de place pour la cargaison. En même temps, on gagne quoi là? Bon, on gagne que de la réputation, on gagne pas de sous. Pas intéressant. Contre les pédini. Ouais, besoin de ça. Ah ok. Ouais, je suis pas ami avec eux. Et là, on a quoi? Super. Ah ouais, j'ai pas assez. Ok. Bon. Alors, la mission que vous devez aller. Bon, attendez, je vais vous rentrer au hangar. Voilà. Alors, la mission où vous devez aller pour récupérer ça, c'est tout simplement ici. Je vais donner l'endroit. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est les étoiles jaunes. Hein. Voilà. Vous allez ici. Et vous allez donc à la station spatiale qui est ici. C'est la première station spatiale, voilà, à Tsang City.
Donc, cette mission va vous demander tout simplement de faire les cargos entre certains secteurs, hein. Donc, vous utilisez le super logiciel qui aide à tout marchand digne de ce nom, qui utilise le même logiciel que tout le monde. Enfin, ceux qui utilisent surtout pour ceux qui font les marchands, donc du coup, ils utilisent le même logiciel, enfin, le même site, qui est tout simplement aider ED Travel Space. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein. Vous cherchez sur internet, normalement vous trouvez. Et donc, vous tapez ce qu'ils vous recherchent, ils voudront tout simplement des combinaisons de protection, pesticides, et aussi, il y a une autre source qui demande, c'est. Je vais vous dire ça. Voilà, équipement géologique. Voilà. Alors, si vous avez un gros cargo, vous prenez tout ce que vous pouvez pour l'être. Donc, en gros, c'est vous devez aller au marché, côté marché, acheter les ressources requises. Après faire, récupérer le maximum de cargo que vous pouvez récupérer, hein. Donc, si vous avez de très gros vaisseaux qui a plus de 200 kilotonnes, allez-y, hein. Blindez le vaisseau. Rapportez tout ici. Donc, à Tsongin City. Et donc, vous pourrez gagner, voilà, toutes les récompenses, hein. Les 5 meilleurs commandants pourront gagner plus de 11 millions. Les meilleurs de 10% gagneront 9 millions. 25% 5 millions. 50% 3 millions. 75% comme la majorité des gens, 1 728 000. Et pour ceux qui ont juste déposé une petite cargo, on va dire, une petite contribution toute petite, auront 500 000 crédits. Voilà. Du coup, vous faites ça, vous pouvez gagner tout ça comme argent. Donc, l'argent, une fois que vous aurez l'argent, il faudrait que vous retourniez sur cette station spatiale pour confirmer votre créditation. Une fois le temps fini, donc ça sera dans une semaine et 2 jours, et que vous avez fait vos livraisons, vous avez juste à revenir ici tranquillement et récupérer votre récompense selon le niveau que vous avez. Donc, je parle pas de ce niveau qui est là, ça c'est la communauté en général, hein. Donc là, on va pas tarder à atteindre niveau 6. Si on peut atteindre niveau 8, les récompenses seront bien plus intéressantes. Voilà, vous pourrez récupérer donc tout simplement voilà, 5, 7, une semaine, 2 jours et 1 heure et 24 minutes. Voilà. Donc, dans la semaine, dans le week-end, vu que je vais publier les vidéos le week-end, vu que la semaine je ne peux pas, comme vous pouvez le savoir, vu qu'avec ma box je ne peux pas envoyer de vidéos, et en plein de semaine avec mon téléphone je ne peux pas envoyer de vidéos non plus, parce que ça va me niquer tout le forfait et ça va coûter cher. Je le fais le week-end parce que c'est gratuit, j'ai internet illimité le week-end, donc j'envoie tout le week-end. Voilà, c'est pour ça que je fais que des vidéos le week-end. Du coup. Comme je vous dis, ouais, donc là le week-end, oui, hein, une semaine, ouais, donc là le week-end, vous aurez largement le temps de pouvoir faire vos rétributions et gagner du crédit, hein, pour ceux qui veulent avoir des vaisseaux intéressants, à savoir que les vaisseaux sont très chers à acheter, sans savoir que bientôt dans la version 2.2, on va avoir un nouveau vaisseau qui s'appelle le Beluga, et celui-là, pour le saper, il vous faut 250. Je dis bien 250 millions de crédits pour pouvoir avoir un Biluja sapé, défense et tout ce qui va avec. C'est l'un des plus gros cargos qu'on va pouvoir avoir dans la version 2.2. Vous pouvez aussi transporter des personnes d'un point A à un point C, un point A à un point B, B, C, ainsi de suite. donc ce sera une nouvelle mission qui va être ajoutée pour la version 2.2, très intéressante cette mise à jour, parce que ça va ajouter du nouveau gameplay, du nouveau contenu, pas mal de choses, dont le transport de personnel standard comme VIP. Il faudrait que vous améliorez votre vaisseau intérieur, que vous mettez des cloisons spécifiques, première classe, seconde classe, ainsi de suite. Seconde classe sera tout simplement pour les personnes ordinaires, et première classe, ça sera pour les VIP, personnes très importantes. Et les chieurs de première, je dis bien chieurs de première parce que eux, ils vont vous demander à faire des choses plutôt dangereux, on va dire. Et si c'est trop dangereux pour eux, ils vont fuir. Désolé. Ce qui veut dire que ils vous payeront pas le voyage, parce qu'ils fuiront tout simplement. Ils vont utiliser les balises d'évacuation qui abordent tout vaisseau commerce, de transport de personnes.
Donc c'est pour dire que voilà, c'est pour dire que les gens ils vont bien vous faire chier, vous bien péter couilles. Ah, je voudrais voir une zone de conflit très proche. Oh là là, c'est trop dangereux, je m'enfuis. Voilà, vous voyez un peu le genre. Il faudra que vous supportez ces géants bien casse-couilles, comme dans le monde réel, hein, en général, tout ce qui est riche, les gens un peu riches et tout ça, qui veulent vraiment bien vous péter les couilles, seront dans le jeu présent pour vous péter les couilles aussi dans le jeu. Oh yeah ! Ah ouais, parce que bon, vous savez bien que bon, les petits, on va dire les grandes personnes, parce que nous, on est des petites personnes, hein, je veux dire, ceux qui gagnent des millions et des millions d'euros, genre les gros entrepreneurs et tout ça, hein, nous, on est des petites personnes à la con. Les grandes personnes, je n'ai rien contre les entrepreneurs, attention, hein, mais les grandes personnes qui sont dans notre monde les plus chieurs seront aussi les plus chieurs dans le jeu. Comme quoi la réalité intègre le jeu vidéo. Ouais. Enfin bref, voilà. Du coup, on va faire la suite de la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter sur ce sujet, hein. Je peux vous répondre à des questions, je sais pas. Je connais un peu ce qui va se passer dans la version 2.2, même si je n'ai pas testé la bêta, on sait ce qu'il va avoir tout simplement, hein. Donc je connais un peu, je peux répondre à des choses, même vous pouvez le savoir tout simplement, hein. Donc là, excusez-moi, le DLC, enfin le DLC, la mise à jour d'Horizon s'appellera la mise à jour Gardien, si je me trompe pas. Et donc ça va ajouter encore pas mal de choses, y compris les super chasseurs que vous pourrez avoir dans les vaisseaux spatials. Donc pour le moment ça sera contrôlé par les PNJ malheureusement. Je vais continuer tout en parlant, on va voler, hein, parce que là on est immobile. Donc voilà, alors est-ce que j'ai accompli la mission? Et on va reprendre juste après. Ok, ouais, c'est bon, j'ai envoyé les... C'est bon, les missions sont envoyées. Donc du coup, on va continuer notre chemin, qui est tout simplement, il faut qu'on fasse... ouais, 3 sauts. Donc, je vais relancer le flux vidéo. Voilà. Alors, donc comme je disais, vous pourrez avoir des chasseurs dans certains vaisseaux. Donc des chasseurs... attendez... Donc je disais, vous pourrez avoir des chasseurs dans certains vaisseaux. Les vaisseaux en question, ce sont des gros vaisseaux. Alors je sais qu'il y a quelques vaisseaux qui l'ont pas, enfin pas mal de vaisseaux qui l'auront pas, mais d'autres vaisseaux qui l'auront. Hein. Il faut au minimum un gros vaisseau pour transporter tout ça. Il faut savoir que vous aurez un vaisseau, vous aurez la possibilité. Ah d'accord, ok, oui, ça me revient ici. Okay. Du coup, il faut que je remets. Voilà, je me disais aussi. Donc il y a certains vaisseaux qui pourront transporter des chasseurs et d'autres non. Alors les vaisseaux en général qui pourront l'avoir, les chasseurs, ça sera, d'après ce que j'ai pu entendre, il y aura le Killback qui pourrait avoir la possibilité d'avoir des chasseurs. Vous avez bien sûr Federal Corvette, hein, qui va pour aussi avoir des chasseurs, hein, facile, très facilement même. En même temps c'est le plus gros, le plus puissant vaisseau. Du jeu avec la suite de très proche, parce qu'il faut dire ce qui est très proche, celui-là, l'Anaconda, qui pourra lui aussi normalement transporter des chasseurs, et peut-être le Python qui pourra transporter des chasseurs aussi, si je me trompe pas. Enfin, je regarde ça un peu plus précisément, mais normalement je dis pas de conneries, je suis dans le bon. Donc vous aurez la possibilité d'avoir des chasseurs contrôlés par vous-même ou tout simplement les PNJ. Donc voilà les PNJ qu'il faudrait que vous embauchiez, qui va vous prendre selon les personnes 10 ou 12% de votre argent. Donc je parle de là des revenus de mission, hein. Si vous avez une mission à 1 million ou 2 millions, ils vont vous prendre 10 ou 12% selon la personne que vous avez engagé sur vous, 1 million que vous pourrez gagner. Voilà. Ça sera leur salaire à payer. Vous devrez payer au départ, bien sûr, pour l'embaucher, il faut que vous payiez un petit quelque chose. Hein. Et puis après, les salaires en question se fera en fur et à mesure que. En fin de mesure de mission que vous faites. A savoir que les PNJ que vous pourrez avoir auront la possibilité de monter en level.
Donc vous pourrez avoir un novice que vous demandez au départ, un novice. Si le mec ne se fait pas tuer entre temps parce que les chasseurs peuvent se faire détruire et les personnages qui pilotent les chasseurs peuvent mourir, il pourra monter tout simplement en niveau. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'ils vont devenir, il va devenir plus intéressant côté défense, parce que ils sauront mieux se battre, ils sauront mieux se défendre, ils feront mieux les choses qu'un novice ou un expérimenté, enfin un inoffensif. Donc voilà, pendant ce temps là, vous pourrez avoir sur le siège passager ici présent un PNJ aussi que vous devez engager. Alors faut pas se charger ici, c'est encore un tauride mes couilles ça, ouais. Excusez-moi du mot. Donc vous pourrez avoir une personne qui s'assoit ici sur le fauteuil d'à côté, hein. Tout simplement les PNJ que vous pourrez avoir. Donc les membres d'équipage, un qui pourra se mettre là et d'autres que vous pourrez pas voir parce qu'ils sont dans le vaisseau, mais on va dire côté habitat du vaisseau, on va dire. Donc voilà, vous pouvez avoir ces PNJ. Tous les PNJ peuvent monter en level, bien sûr. Hein. Et bien sûr, vous pouvez aussi piloter vous-même les chasseurs si vous souhaitez et donner tout simplement les commandes de votre vaisseau à un PNJ. Vous pouvez faire ça aussi. C'est pas très conseillé, je dois dire, mais vous pouvez le faire. Je dis pas très conseillé parce que selon le personnage du niveau qu'il a, voilà, c'est-à-dire vous n'allez pas donner commande à un personnage qui est novice, commande à votre Anaconda. Il va 99% vous le foutre en l'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Le problème des PNJ, c'est que les PNJ montrant en niveau que tout simplement, voilà, je veux dire, et ils seront. Bah, ça sera comme tout PNJ que nous croisons, hein, que ce soit dans la, les PNJ que nous croisons dans l'espace qui se battent, tout ça, ainsi de suite. Ils auront quasiment la même technique de combat, hein, donc voilà, ils seront tout simplement limités par leur rang. Voilà, donc ce sera le système de level, hein, voilà, pour qu'ils puissent savoir. Ok, je dois aller où ? 12 minutes. Ok. Apportez un carnaval à destination, de nouveau délai indiquant vous aurez un. Ok, je dis pas non, hein. Moi je dis pas non au pourcentage donné. Du coup, c'est la mission, c'est celle-ci. Celle-ci, elle veut donc c'est à Burnolite. Ok, très bien. Alors, navigation. Burnolite. Voilà, c'est ça. Hop, on a chargé. On est bloqué dessus. On a verrouillé la destination et on prend 4. Voilà, donc les PNJ seront tout simplement limités par leurs compétences. Donc ils pourront monter en level, bien sûr, mais voilà, je veux dire, par rapport à un joueur, voilà. Beaucoup de personnes disent que c'est une prélude de ce qu'on pourra avoir comme joueur dans notre vaisseau, parce que oui, on pourra avoir des joueurs qui contrôlent des chasseurs qu'on pourra avoir dans nos vaisseaux, hein. Je pense que ça serait un prude par rapport à ça. D'ailleurs, je pense que ça serait déjà plus intéressant. Ça donnerait un peu plus de coopération dans le jeu. Bon, bien sûr, faites ça avec des gens que vous connaissez. Hein. Ces gens que vous connaissez pas, autant il va vous foutre en l'air le vaisseau. Enfin bref, ça après. Donc voilà. Après, si vous avez confiance aux personnes que vous croisez dans le jeu, faites-le, faites don. Il n'y a pas de problème. Maintenant, un chasseur que vous achetez ne coûte pas très cher. Donc. 1200, 1300 crédits sur le vaisseau que vous prenez, là, c'est pas très cher, 23 000 à la rigueur, non même pas, je pense 1200, 1300 peut-être un chasseur, donc ce sont des objets, on va dire, consommables, hein, entre autres, hein, des objets qu'on peut tout simplement sacrifier. Le seul truc qui est chiant, c'est pour la personne, le PNJ que vous aurez engagé, si c'est un bon PNJ qui vous demande pas grand chose, qui se fait tuer. Tout simplement, il suffit que c'est un rang élite et qu'il se fait tuer au combat, ça sera une très grande perte, on va dire, pour l'équipe, parce que bon, c'est quand même un élite le mec, il s'est fait zigouiller. Voilà, ça fait un grand coup dans votre défense, malheureusement. Voilà, du coup, voilà ce que je peux vous dire pour la mise à jour 2.2 qui va plus trop tarder à sortir, j'espère, hein, parce que là, ça fait un moment qu'ils sont encore en version bêta. Donc, je pense que ça va plus trop tarder. Donc, voilà.
du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Des ajouts du jeu par rapport à la version 2.2. Donc le plus gros de ça, c'est tout simplement la possibilité de ces nouveaux missions qu'on pourra avoir, qui est tout simplement transporter des gens, qui sera donc ça, ce sera le plus gros de la mise à jour, y compris les chasseurs et les PNJ qu'on pourra tout simplement engager dans notre équipe, donc pour contrôler ce vaisseau ou pour contrôler vos chasseurs, ainsi de suite. Voilà, du coup, ça sera une mise à jour intéressante, on va dire. Voilà, ça sera une mise à jour intéressante. Ouais, je me suis trompé, j'ai verrouillé, c'est pas grave. Tout ça c'est fait. Docking request granted. Donc voilà les gros ajouts qu'il va y avoir dans le jeu. Tout simplement. Qui va être très intéressante du coup. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Du coup, voilà. Alors, si vous avez des questions et que je peux y répondre, n'hésitez pas de les poser. Après, moi, si je peux vous répondre, je vous réponds. Sinon, bah, je vous dis où demander à la rigueur, hein, ou voir les choses plus précisément. Voilà le gros de la prochaine mise à jour qu'on va avoir, qui va être juste intéressant, quoi, on va dire. C'est, voilà. Rien que déjà le jeu de base est vraiment très intéressant, parce que graphiquement il est très beau. Le nombre de boulots que vous pouvez faire est quand même énorme. Il y a vraiment de quoi faire. Ce jeu a vraiment de quoi faire pour tout simplement faire plaisir à tous les joueurs. Voilà quoi. Ceux qui veulent devenir justicier, il y a de quoi faire. Ceux qui veulent devenir marchand comme moi, il y a de quoi faire. Ceux qui veulent devenir mineur, il y a de quoi faire. Avec du risque, hein, de toute façon, on va dire, tous les boulots qu'on fait dans le jeu sera risqué. Plus risqué pour les mineurs et plus risqué pour les marchands comme moi que pour les justiciers. Ces justiciers en sont simplement des vaisseaux de guerre en général. Voilà, ils peuvent très bien s'en sortir. Alors que nous, un vaisseau comme ça, n'importe quel vaisseau cargo vous pouvez prendre, comme moi je vais prendre un gros transporteur de type 7. Un gros machin, c'est un putain de gros transporteur, je sais que je vais galérer avec. Il coûte très cher, et ce que j'ai peur c'est l'assurance, ça a coûté très cher, et voilà. Malheureusement je n'ai aucun personne dans mon entourage qui a le jeu, et donc quasiment pas de défense, on va dire, je me débrouille tout seul quoi. Donc voilà, bon. Pour le moment ça va, quand t'as de la chance tu t'en sors, quand t'as pas de chance ouais, tu t'en sors pas beaucoup. Mais bon, ça c'est pas grave. Ça donne un peu un petit côté de stress aux joueurs quand t'es tout seul comme ça dans l'espace avec un vaisseau de transport rempli de cargaison que tu sais que tu peux te faire attaquer par n'importe qui. Tu te dis, ouais, c'est voilà quoi. Alors que juste ici, quand ils ont rien dans leur cargaison, ils se font pas pirater parce qu'il y a rien dans la cargaison, donc les mecs ils cherchent pas quoi. C'est même le JTC qui choisit leur cible, donc pour dire. Ok, donc du coup on a des missions là. Fédération, putain, mais je voudrais avoir des missions pour l'Empire, je veux avoir mon vaisseau là. Je me propose que ça, toi, la boîte noire. Enfin, c'est pas qu'elles sont chiantes ces missions, c'est qu'elles sont dangereuses. On sait pas ce qui va arriver, c'est... On peut tomber sur des embuscades comme... être tranquille quoi. Mais c'est tout ce qu'il me demande. C'est tout ce qu'il me propose, du coup. Ok. Alors. Prochain secteur. Ok, ici. Ah. J'ai encore des missions à Burnout Terminal. J'ai pas accompli une mission. J'ai peut-être loupé quelque chose. Attends. Ça. Ou le bordel s'est pas mis à jour. Tout simplement. Ah si, j'ai rendu toutes mes missions. Bah oui, j'ai rendu toutes mes missions. Ouais, j'ai rien. Mission disponible, condition, voilà. Mission disponible, ouais. Ouais.
Donc, ah oui, bah bien sûr, la boîte noire de ça. Mais oui, oh le noob. Putain, oh mais vraiment, la plaie quoi. Débit total quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai complètement zappé que c'est oui, j'ai accepté une mission pour ici. C'est logique que le bordel ne se passe pas. Le gros navet que je fais. Hein. Enfin bref. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Les bugs sont chiants quand même. Hein, et... J'ai l'impression que ça devient de plus en plus important. Parce que là, vous avez pu voir qu'il y a eu le temps que j'envoie, je m'envoie en warp. Vous avez vu qu'il y a eu un petit machin. C'est bizarre que le serveur devienne de plus en plus latence comme ça, alors que jusqu'à présent ça marchait bien. Et j'ai l'impression que plus, je sais pas. Bon, je sais qu'il y a un serveur qui est quand même en parallèle à celui-ci, hein, donc la bêta test. Je pense que ça aussi, ça doit bien niquer un peu le serveur principal. Vu qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont pris la bêta test, enfin, qui ont acheté l'accès à la bêta du prochain DLC. Sachant que quand vous achetez, enfin, d'après ce que j'ai pu voir sur le site de Frontière, quand vous achetez l'accès à la bêta test, vous accédez à tous les bêta tests qu'il y a dans le jeu. Donc voilà. Mais bon, vous gagnez pas grand chose. Peut-être vous gagnez peut-être une peinture ou deux, peut-être, je sais pas. Enfin, ouais, je pense que vous gagnez ça, la peinture, pour personnaliser le vaisseau. Faudrait que je m'inscrive pour les bêta tests, mais pas pour ce DLC, parce que je sais pas combien de mises à jour il y a qui va en rester encore. Si on est à la fin de celui-là de saison, j'aurais payé un peu cher. Peut-être la saison prochaine, je prendrai accès à la bêta test. Je sais pas combien de mise à jour va avoir là. Je sais qu'à 2.2 ils ont parlé peut-être de 2.3. Après voilà quoi, c'est voilà quoi. Docking request granted. C'est une leader. Est-ce que c'est ma place? C'est ma place. C'est bien ça. Landing gear deployed. Prochain jeu que j'ai fait, je suis peut-être tenté à prendre un jeu qui s'appelle Black Desert Online. J'ai un peu tenté, un petit RPG sympa, monde fantastique. Je regarde d'abord les vidéos pour vraiment être tranquille en fait. Des vidéos, enfin je regarde un peu comment se présente le jeu parce que bah... Première vue, ce que j'ai pu voir, c'est que ça sera un MMO de style défiance, donc les joueurs ne peuvent pas vous attaquer tant que vous n'avez pas accepté leur duel. Donc vous pouvez ou non les accepter, donc du coup, voilà. Et ça, c'est plus ou moins intéressant, enfin...
Enfin, moi, je serais plus intéressé, quoi. Parce qu'en tout cas, moi, on est sûr de pas être, de pas avoir le game pourri par d'autres joueurs qui vont vous killer facilement parce qu'ils seront level bien plus élevé que le vôtre. Données commerciales. C'est pour qui? Ah, c'est pour... Non. Boîte noire encore. Oh là là, mais vous demandez que les boîtes noires, mes amis, là, de l'Empire. Bon. Ne craignez rien, vous n'aurez pas toutes ces missions, hein. Vous aurez juste ce que j'ai accepté en premier temps. Ceux-là de mission, vous les aurez pas. Parce que ça va faire une vidéo trop longue, en fait. Ou alors, je fais une autre vidéo par derrière. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir après. Comment les choses vont évoluer. Voilà. Du coup. Boîte noire, transfert. Oh non, on doit aller ici. Transfert de données stratégiques. Après, ce sont des trucs qu'on doit récupérer. Et où il y a la possibilité d'être attaqué plus facilement. Mais que je préfère vider d'abord les missions, on va dire comme ça. Alors, on doit aller à... Ben, on doit aller ici. Oh, c'est très bien ça. Ça me donne la position exacte. On doit faire quoi, une saut? 3 sauts. Bon. Mon cargo est maintenant vide. Ah non, j'ai ça. Ah, conduit. Est-ce que ici ils les prennent? Parce que ça, ce sont des petits bonus d'argent qui vous donnent les machins pour le complément de paiement. C'est quoi? C'est quoi qu'ils m'ont donné en fait là? Je vais voir ça, parce que j'ai pas... Conduite de transfert d'énergie. D'accord. On va voir si ici ils les prennent. Marché. Alors, conduite de transfert d'énergie. Conduite de transfert d'énergie. Ben, ils sont là. Bon. Ça va pas nous donner beaucoup. Ça va pas nous donner des masses en bonus de crédit. 1508. Voilà, bon. C'est pas grave. Ok. Nous allons... Allez là-bas. Là. On est ok. Ok. Rang de commandant, je suis bleu. Ouais, je suis monté en rang. Parce que, bah... Les attaques que j'ai subies et les vaisseaux que j'ai détruits. Qui m'ont attaqué. Ok. Avec ce vaisseau-là, avec la terre. Beaucoup de chance, surtout. Faut beaucoup de chance sur l'Irican Hadder contre des combats. Même si je l'ai j'ai mis tout ce que j'ai pu mettre dessus en blindage et tout ça, j'ai failli prendre la station spatiale, mais tout va bien, tout va très bien. Alors on doit aller où? On doit aller ici. Voilà, ok, c'est là-bas. Et dites-vous que je vais avoir encore plus de complications et plus de stress quand je vais avoir l'autre vaisseau. Le gros transporteur cargo. Pourquoi? Parce que son assurance a coûté très cher. Le vaisseau lui-même coûte très cher. Et j'ai peur de le faire détruire. Déjà celui-là il me coûte pas grand chose, ça va, mais il y a quand même le stress. Derrière tout ça, il y a quand même le stress quand même. Mais avec mon gros transporteur qui sera lourd, plus lourd que celui-là, mais largement plus lourd que celui-là, parce que c'est un BME qui va se transporter, qui va aller d'un point A à un point B, le stress va pas mal monter, ouais. C'est tous les... la spécialité de ce jeu, c'est faire stresser les joueurs qui jouent dans ce jeu, en fait. C'est ça, hein. Voilà, quoi. T'es pas à l'abri. Je sais pas ce qui va t'arriver. C'est vrai que je serais quand même un peu plus soulagé si... comment dire... Excusez-moi. S'il n'y aurait pas le prix du vaisseau cassé, je serais quand même un peu plus tranquille, on va dire. Mais bon, malheureusement non. Donc voilà, mais en celui-là ça va, il me coûte pas très cher celui-là, mais bon. Il me coûte ouais, 39 000. Mais voilà. C'est inquiétant. Frameshift drive charging. Ce jeu adore inquiéter les gens.
Ok, un retour Windows. Logique, je sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi pour ce petit truc, je sais pas ce qui s'est passé. Pas vraiment un Windows, pas vraiment un Windows, pas vraiment un retour Windows, non, non, juste je suis envoyé sur le lancer du jeu en fait. Pourquoi ? Ça fait un petit peu de temps que ça me fait ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est chiant, je veux dire. Web view, je sais pas si ça se voit ou pas. Je pense que si ça se voit normalement. Mais si ça se voit, je m'en excuse. Hein. Bon, en même temps, je suis pour rien. Hein. C'est pas moi qui appuie sur une touche, quoi que ce soit. C'est le bordel Steam tout seul. À dérailler, on va dire. Hein. On va vraiment dire comme ça. Dérailler. Donc voilà. Frameshift drive charging. 1000 machins quand même. C'est pas la porte d'à côté. On va y aller tranquille, les amis. On va y aller tranquille. Donc pour ceux qui suivent Pokémon 3D, donc comme j'ai dit au début de la vidéo, tout simplement, je veux d'abord avoir mon Octalie pour tout simplement vous faire la présentation de ce jeu, enfin la nouvelle mise à jour de ce jeu, parce que ça, se base sur avant toute chose l'évolution et deux trois trucs que je vous expliquerai dans le jeu. Je serai probablement accompagné avec Alex Dracos. Voilà. Enfin, s'il veut bien. Mais normalement, c'est prévu qu'on le faisait ensemble. Qu'on le fait ensemble, du coup. Donc, je pense que ça n'a pas trop changé de ce côté-là. Alors oui, la version 2.2 aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y aurait aussi une ajout et une amélioration graphique sur les planètes. Elles seront un peu plus détaillées que ce que nous avons actuellement. C'est ce que j'ai pu voir, hein. Je vous dis de suite. Donc voilà.
denied. Oh, denied? Ah oui, parce que je suis trop loin. Parce que je suis c'est bizarre. Docking request granted. Merci. C'était bizarre. Accès refusé, c'était bizarre. Mais ouais, parce que j'étais trop loin. Dans ces conditions, c'est normal. J'adore le bruit qu'il fait ce vaisseau. Je kiffe. Il fait un bruit chelou, mais je kiffe. Les bruits qu'on n'entendra pas sur les autres vaisseaux. C'est ce bruit-là qui va me manquer, je pense. Hein. Les autres vaisseaux ressemblent plus à des bruits d'avions de ligne que nous avons dans la vraie vie. Alors que celui-là, il a un petit bruit spécial. Il a quelque chose de spécial, ce vaisseau. C'est pour ça que je le kiffe tant. C'est son bruit de moteur. Ouais. Alors que les autres, ils ont des bruits plus basiques, on va dire. Alors que celui-là, il a un bruit spécial, ce vaisseau. C'est ce qui donne son charme à ce vaisseau qui est basique, hein. C'est un vaisseau qui est basique. C'est pas comme tous les joueurs que j'ai rencontrés dans le jeu, ils sont tous en Anaconda ou en Python, là. Merde. Bon, je vais dans les missions communautaires. Il y a tout plein de joueurs autour de moi. Je regarde les joueurs qu'il y a. Anaconda, Python, Anaconda, Python, Anaconda, Vulture. Oh tiens, un Vulture. C'est bizarre ça. Par rapport à tous les autres gros vaisseaux, tu vois, le Vulture est un peu spécial, on va dire, tu vois. Mais des vaisseaux comme moi, des joueurs qui ont comme mon vaisseau, j'en ai croisé quoi, peut-être 2, 3, peut-être avec des adders quoi. Mais la majeure partie ont tous des Anaconda, Python, Corvette fédérale. Bah, c'est des mecs qui ont le jeu depuis le début aussi, hein, depuis la sortie du jeu, ou aussi des joueurs qui ne lâchent pas le jeu. Il y en a aussi, je vous rassure, il y en a aussi. Mais bon, je n'ai rien contre eux, hein, c'est... Il y en a qui gagnent leur vie comme ça, hein. Les joueurs professionnels, par exemple, jouent et gagnent de l'argent, et beaucoup d'argent en plus. Ouais. Tant mieux pour ceux qui arrivent à creuser dans ce monde de jeux vidéo. Tant mieux pour eux. Ouais. Beaucoup de joueurs, de gamers, comme la plupart des gamers, sont en quête de ce genre de choses, mais ça ne marche pas pour eux. C'est malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens, malheureusement. C'est des trucs qui sont sélectionnés, hein. Ils sont sélectionnés, mais vraiment à la... Voilà quoi, c'est vraiment le gars. Enfin, comment dire. Namato. Ah bah, j'ai des choses à faire à Namato, non? Ah, ouais. Intéressant. Oui, donc voilà. Enfin bref, c'est pour dire que voilà. Il y a des chanceux et d'autres pas. Ok, on va ramener ces missions là. Rapporter des cartes, c'est quoi? 9 cartouches alimentaires, ouais. Rapportez-nous du tabac. 85 000. Ouais. Bon, ces missions là, vous les aurez pas, hein, je vous le dis de suite. Je les accepte, mais je pense pas que vous les aurez. Hein. T'es, ceux qui minent, hein, ils gagnent pas mal d'argent. Hein. Marchandise suivant, eau. Entrailler 6 unités de marchandises suivant, l'eau. Entrailler 2 unités de marchandises suivant, l'eau. C'est quoi ces missions? Entrailler, c'est quoi en fait? Utilisez les drones prospecteurs et collecteurs pour faciliter votre opération d'extraction. Veuillez avoir suffisamment de place dans votre soute pour pouvoir transporter les objets requis. Ah ouais.
Ouais, c'est pas de l'eau que t'achètes n'importe où et que voilà, c'est de l'eau que qu'on doit récupérer. Hein. Ouais, qu'on doit miner quoi. Ça se mine de l'eau? Ouais, peut-être. Je suis un peu perplexe, on va dire. Possible. Bon, alors, on n'a rien dans notre cargo. Hein. Ah si. Ah ouais, il faut que je transporte ça. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Il faut que je transporte ça. Elles sont là. Livrer l'uranium à Namato et à Belit. C'est vrai que j'ai accepté notre mission. On va les faire ensemble. Ouais, je me dis que... Ouais. On va le faire ensemble avec juste 3 sauts à tout péter. Ouais, 3 sauts. C'est pas non plus le mer à boire. Même peut-être un seul saut. Non, 3 sauts. Ou 2. Ah bah, en un seul saut. Oh, bah, c'est bien ça. C'est rare que mon saut peut faire un seul saut en général. Parce que bah, malheureusement, c'est Samas qui me trompe, bien sûr. Hein. Il a l'air tout petit comme ça ce jeu, mais il a une... Enfin, ce vaisseau, mais il a une masse qui est importante. Malheureusement, tout ce que j'ai mis dessus, c'est normal. Et donc, je perds en capacité de saut. D'où en première position mon armure militaire qui prend beaucoup de masse quoi. Ouais. Frameship drive charging. Ça apporte 150% de coque. Enfin, normalement. Mais plusieurs fois, cet armure m'a sauvé quand même. Je dois le dire. Bah, cette armure, ce blindage m'a sauvé. Ça m'est arrivé. C'est plusieurs fois, cette armure m'a sauvé. Si je l'aurais pas, ouais. Partir encore plus vite en cacahuète, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je dois transporter ça. Ah non, c'est pas toi, c'est toi. À Miller's Port. Miller's Port, c'est ici. Ok. Ok. Pas assez. D'accord. Le vaisseau qui freine quand il veut freiner. Ce sera la dernière livraison qu'on va faire ensemble, les amis. Hein. Pour cet épisode. Docking request granted. Ah, ouais, dans la version 2.2, il y aura aussi des nouvelles stations spatiales aussi. Ouais. Et les décors intérieurs vont beaucoup changer. Ouais. Donc selon la station spatiale où vous vous opposez, si la station spatiale, la principale fonctionnalité de cette station spatiale est tout simplement la métallurgie, je sais plus comment on appelle ça, enfin ceux qui travaillent le métal, vous aurez tout simplement les grosses marmites industrielles. Les grosses marmites industrielles qui feront tout simplement décoration.
Si leur principale activité est l'agriculture, alors vous aurez beaucoup de plaines vertes et tout ça dans, les stations spatiales en question. Ok, là j'ai un peu capoté la chose, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'en étais où? Oui. Si leur principal show, leur principale fonctionnalité est tout simplement transport de passagers, alors vous aurez des endroits, des zones plus luxueux avec des stations spatiales à l'intérieur. Enfin, surtout à l'intérieur qui change. Hein. Plus luxueux, ce qui veut dire, on va dire, plus vacancière. Voilà. Genre de gros hôtels. Un peu comme la station spatiale de l'Empire que nous avons actuellement, en blanc, avec les palmiers et tout ça. Bah voilà. C'est ce qui, va pouvoir arriver, du coup. Donc, chaque station spatiale qui auront leur principale fonctionnalité, comme ce que je vous ai dit précédemment, leur décor sera en fin de mesure de ce genre de choses. Donc, vous aurez différents, entre guillemets, on va dire, biome de station spatiale, voilà. C'est vraiment entre guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de biome dans l'espace. Hein. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça de biome. Même si biome est généralement utilisé en général pour ce qui veut dire environnement. Donc voilà. Ok. Très bien. Nous avons quoi d'autre ici? Encore des boîtes noires à récupérer. Ok. Je vais les faire. Hein. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas de commenter, liker la vidéo si ça vous a plu, de partager, ça aidera très, beaucoup la chaîne. De liker, bon, si ça vous a plu, de commenter si vous avez des questions ou autres à me poser ou si vous voulez justement parler. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes du jeu, peut-être la version 2.2, je suis pas sûr, on verra. Mais bon, je pense que la semaine prochaine il sort la version, donc voilà. Et sur ce... Ouh, 90 000. Et voilà, je vous dis à très bientôt les amis, merci de regarder la vidéo, allez bye les amis.